Alors, je suis actuellement des émissions sur Léonard de Vinci. Et une expression qui est revenue à un moment donné, c'est la différence entre l'expérience et la cause. L'expérience, c'est ce qu'on voit. La cause, c'est les explications qui sont données. Les explications, souvent, sont très provisoires, alors que ce qu'on voit reste une constante. Nous voyons le même monde que nos ancêtres, nous avons le même soleil, etc., même chose, mais nos explications sont totalement différentes. Donc la constante, elle est dans l'observation. Les hommes et les femmes, au fond, fondamentalement, il n'y a pas grande différence depuis des millénaires. Mais nos explications, nos discours, eux, alors eux, ils ont constamment, complètement évolué. Et la grande astuce, c'est quand quelque chose ne vous plaît pas, vous dites que ça ne s'explique pas, donc scientifiquement ça ne s'explique pas, donc la science est instrumentalisée pour nier les choses qui ne vous intéressent pas, qui ne vous plaisent pas. Et au contraire, quand on veut quelque chose, eh bien, la première explication venue, ça fait tout à fait l'affaire. On ne va pas aller plus loin. Voilà un peu le genre de mentalité que nous avons aujourd'hui. Et donc, oui, je pense que ce qui est important, c'est ce que nous observons. Revenons à l'astrologie, par exemple. Les astrologues font l'erreur de partir de leur théorie, de leur système, de leur tradition. Non. Ils doivent demander aux gens, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous voyez? Quels sont les changements que vous voyez? Quelles sont les catégories que vous voyez? En dehors de toute considération astrologique. Comme je disais dans une autre vidéo, bon ben voilà, par exemple, on voit qu'il y a différents activités humaines, différents métiers. Je renvoie aux trifonctionnalités du Bésile, je renvoie au système des castes, etc. Il y a des métiers qui correspondent à des modes de fonctionnement différents. Ça, c'est déjà l'observation qui interpelle l'astrologue. Mais c'est l'observation que n'importe qui peut faire, astrologue ou pas. De la même façon, si on demande aux gens, est-ce que les choses sont toujours identiques? Est-ce que ça reste constant ou est-ce qu'il y a des mouvements? Est-ce qu'il y a des changements? Là aussi, les gens vont observer qu'il y a des changements. Il y a des moments où ça monte, des moments où ça descend, des moments où il y a des choses qui avancent, il y a des moments où ça stagne, des moments où les pays se rassemblent, les pays se séparent, où les gens se rapprochent ou se séparent. Voilà. Ça aussi, ce sont des observations qu'on peut faire et qu'on a pu toujours faire. Alors, si on est astrologue, notre rôle, c'est de montrer que derrière ces observations, il y a une structure astrologique. C'est tout. Il ne s'agit pas d'inventer quoi que ce soit, il ne s'agit pas d'inventer une réalité quelle qu'elle soit. Cette réalité, elle est là, tout le monde l'observe. Maintenant, est-ce qu'il y a une explication astrologique qui serait valable? Même si cette explication n'existait pas, l'observation est là. L'observation, on peut dire qu'elle fait déjà partie de l'astrologie. C'est là que ça devient compliqué. Le fait de diviser la société en plusieurs catégories, le fait de diviser le temps en plusieurs temps, en plusieurs périodes, c'est déjà de l'astrologie. C'est comme M. Jourdain, quelqu'un qui fait de l'astrologie sans le savoir. C'est comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, fait de l'astrologie sans le savoir. Maintenant, il y a une autre forme d'astrologie qui est une astrologie théorique. Ça, c'est l'astrologie pratique. J'appellerais l'astrologie pratique. D'ailleurs, j'observe des choses, j'observe des structures, j'observe des catégories. Très bien. Moi, je dis que c'est déjà de l'astrologie. Et puis, il y a l'astrologie théorique qui dit, voilà, alors écoutez, on va voir si au niveau des configurations astrales, voilà, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi telle personne aura telle activité
et telle période, telle autre activité, ce qui renvoie à nos travaux, notamment de Michel Gauquelin. Ou bien pourquoi à telle époque il y a un changement qui se produit, une modification du fonctionnement de telle société. Ben là aussi, on peut chercher dans le ciel un vecteur, un paramètre qui pourrait rendre compte du timing de ce processus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, je crois que vous l'avez peut-être pressenti, c'est qu'il faut surtout avoir un modèle extrêmement simple, binaire. Et l'intérêt du binaire, c'est que c'est falsifiable, le binaire. C'est A ou B. Et quand je dis que ça va être A, ça ne doit pas être B. Si c'est B alors que j'avais dit A, c'est que mon truc est falsifié, est faux. Voilà. Donc on ne va pas nous reprocher aux astrologues de ne pas être dans la falsifiabilité. Sauf que si ces astrologues utilisent des modèles d'une telle complexité, comme dit Serge Brémorel d'ailleurs, quand il attaque l'astrologie, alors là, on n'en sort plus. Si au lieu d'étudier des groupes bien définis, on fait des études individuelles avec l'ensemble des planètes, alors là, on n'en sort plus. J'écrivais l'autre jour dans un article que je garde pour moi pour l'instant, que le mot horoscope a un double sens. Et que ce double sens, il fait problème. Normalement, pour un 16e, 17e miss comme moi, l'horoscope, c'est l'horoscope d'une personne donnée. Mais au 20e siècle, on a employé le mot horoscope à tort pour désigner les prévisions astrologiques, et même prévisions astrologiques individuelles, ou les prévisions astrologiques collectives. Les horoscopes des journaux, on est du lion, on est du scorpion, etc. Donc il y a une espèce de mélange dans l'image de l'astrologie. Est-ce que l'astrologie étudie un individu spécifiquement, ou est-ce qu'elle étudie un groupe de gens qui sont nés sous tel signe? Et cette personne de l'astrologie se sert de cela en disant les horoscopes des journaux, ça ne vaut rien, parce que les gens croient que c'est valable que pour eux. Mais ils ne croient pas du tout que c'est valable que pour eux. Ils ne sont pas idiots, les gens. Ils savent très bien que quand quelqu'un du lion lit des choses sur le lion, il sait très bien qu'il y a des millions de gens qui sont du même signe. Mais ça n'empêche pas qu'ils le prennent aussi pour lui. Et là, il y a un problème d'articulation entre l'individuel et le collectif que les adversaires de l'astrologie ne semblent pas appréhender correctement. Je peux à la fois être dans le général et me l'appliquer à moi en particulier. Et inversement. Ce n'est pas incompatible. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet.